Bien, bonsoir mesdames et messieurs, je suis Noël Rosnac, directeur du pôle culture et patrimoine de la ville d'Irigny, et j'ai le plaisir de vous présenter ce soir ce premier Facebook Live qui inaugure une série de rendez-vous proposés par les bibliothécaires de la bibliothèque municipale d'Irigny. Alors, ces rendez-vous, ils se déroulent tous les vendredis soirs à 18 h jusqu'au 18 décembre. Alors, ce soir, notre rendez-vous consiste à vous faire une présentation générale de la bibliothèque, de son fonds, des livres bien sûr, mais également des nouveautés. La semaine prochaine, nous serons le 27 et nous aurons la joie, le plaisir d'accueillir Anne-Claire et Jérôme Jouvray, qui seront là pour présenter leur album, leur série BD intitulée Six coups, une série éditée chez Dupuis. Ils seront donc ici en direct pour vous parler du scénario, des illustrations et même dessiner, pour celles et ceux qui le souhaitent, une dédicace. Car vous pouvez préacheter leur album ici à la bibliothèque et durant le Facebook Live, eh bien, ils dessineront et ils feront des dédicaces en direct. Ensuite, le 4 décembre, Isabelle, l'une des bibliothécaires, vous offrira une lecture de contes de Noël à vivre et à partager en famille à partir de l'âge de 3 ans. Le 11 décembre, Léa et Isabelle feront un focus sur le secteur jeunesse et sur les nouvelles séries BD et manga qui viennent d'arriver. On les a reçues cette semaine. Alors ce sera l'occasion bien sûr pour vous de lister de nouvelles idées de lecture pour les enfants et les ados et de réserver vos livres pour les vacances qui arriveront. Nous terminerons ce cycle de rendez-vous le 18 décembre à 18 h en donnant une carte blanche à Franck Antunes, carte blanche donc à un auteur qui, Franck Antunes, donc va nous présenter son deuxième roman intitulé « Deux ». Et d'autre part, il nous fera une présentation savoureuse des classiques de la littérature adaptés en BD et en manga. C'est vraiment un superbe programme. Voilà, nous sommes donc en direct ce soir avec Valérie dans cette belle bibliothèque. Et voici quelques mots sur le fond documentaire. Eh bien, sachez que tout d'abord, il y a à peu près 20 000 ouvrages dans notre bibliothèque, avec une répartition bien sûr en secteur jeunesse et en secteur adulte. Et puis des nouveautés qui arrivent régulièrement. Bien sûr, il est important de renouveler le fonds pour vous proposer davantage de découvertes, davantage de livres et de documents à découvrir. Alors, je parlais de livres, mais bien sûr, on peut aussi trouver des DVD, des livres audio également, des nouvelles, des romans, des magazines, des contes illustrés et puis également des livres en gros caractères pour un meilleur confort de lecture. Voilà, je vous invite à vous rendre régulièrement sur le catalogue de la bibliothèque. Il est accessible à tous et c'est très simple. Il suffit de se rendre sur le site de la ville d'Irigny, de cliquer sur « Bibliothèque » et ensuite de cliquer sur « Portail de la bibliothèque ». C'est bien évidemment gratuit et vous accédez à l'ensemble du fonds documentaire. Tous les ouvrages, hein, livres, magazines, les contes, absolument tous les ouvrages sont répertoriés dans le catalogue. Alors, avant de passer la parole à Valérie, je veux vous donner tout de même quelques informations. Bien évidemment, nous ne pouvons pas accueillir physiquement du public dans la bibliothèque, et c'est pour ça que l'on met en place ces Facebook Live. Mais vous pouvez réserver et emprunter des livres, puisque l'équipe de la bibliothèque a mis en place un système de BiblioDrive. Alors, comment ça se passe? C'est très simple. Vous appelez à la bibliothèque ou alors vous envoyez un mail, vous réservez votre ouvrage et vous pouvez le retirer 48 heures après. Bien évidemment, l'équipe de la bibliothèque est là pour vous conseiller, pour vous guider, vous donner également la disponibilité des œuvres. Voilà, alors, J'en profite tout de même pour remercier d'une part Edith Mercier, notre adjointe aux affaires culturelles, Madame le maire d'Irigny et toute l'équipe municipale qui nous soutient pour nos initiatives. Je remercie aussi chaleureusement Florence, Stéphanie et Eric qui nous ont aidés pour la préparation et puis pour la technique. Et je dédie cette première séance à Léa, notre responsable de la bibliothèque, qui devait animer justement ce Facebook, mais qui a eu un petit accident sans gravité. Alors Léa, je sais que tu es derrière l'écran et je tiens à te dire au nom de toute l'équipe qu'on est avec toi et qu'on t'embrasse très fort. Voilà, Valérie, tu vas nous présenter quelques nouveautés, BD et manga. Je te laisse la parole. Bonsoir. Donc, dans le cadre de nos nouvelles acquisitions adultes, je vais vous présenter quelques séries. Donc, des séries manga pour commencer. Donc, c'est la série Perfect World. Perfect World. Donc, c'est une série en 10 tomes pour l'instant, mais qui n'est pas terminée. Et c'est une série qui aborde le thème du handicap. Donc c'est l'histoire d'une jeune fille de 26 ans, Tsugumi, qui retrouve son premier amour lors d'une réunion professionnelle. Mais le temps a passé depuis le lycée et le jeune homme est aujourd'hui handicapé physique. Donc... c'est leur retrouvaille. Donc, leur idylle va renaître malgré tous les obstacles liés à cette situation. Et c'est donc une histoire d'amour magnifique. La deuxième série que je vais vous présenter, c'est Judge. C'est une série en 6 tomes, donc qui se termine au 6e tome. C'est un thriller psychologique qui est très bien fait. Donc c'est l'histoire de Hiro. Donc c'est un jeune homme qui vit depuis 2 ans rongé par le remords d'avoir indirectement causé la mort de son frère. Un matin, il se réveille emprisonné dans une salle avec d'autres personnes qui apparemment eux aussi ont commis des crimes impunis. Ils sont tous coiffés de masques représentant les 7 péchés capitaux. Et c'est lors du jugement. Ils deviennent juges et bourreaux et doivent choisir toutes les 12 heures celui qui sera sacrifié. Donc la série Judge. Très bien, merci beaucoup. Nous passons, je crois, aux nouveautés BD pour adultes. Alors, dans les nouvelles séries, donc nous avons... les livres d'Agatha Christie, donc adaptés en BD. Voilà, donc je ne vous présente pas Agatha Christie, mais là c'est la série sur Hercule Poirot. Hercule Poirot, donc c'est un détective privé belge qui met en valeur des petits détails qui le mènent à la solution. Cette solution, il la divulgue lors d'un rassemblement de tous les protagonistes de l'histoire. Cette série est... un petit peu particulière. Elle est dessinée et scénarisée par des auteurs différents. Ce qui fait la richesse de cette série, puisque ce sont vraiment... des BD à part entière, donc avec des histoires à part entière, des illustrateurs. Ah oui, alors ce qui signifie que chaque planche, chaque dessin à l'intérieur, enfin, d'une BD à l'autre, ce n'est pas le même illustrateur, donc on n'a pas le même style d'illustration. D'accord, c'est intéressant, effectivement. Voilà, et pour terminer, je vais vous présenter la série Sambre. Donc c'est une série de drames historiques dans la France du 19e siècle. Les dessins sont assez sombres, ils sont en noir et blanc et en rouge. Donc c'est l'histoire d'une famille bourgeoise rurale du 19e siècle. Donc c'est Bernard Sambre qui tombe amoureux de Julie. Julie, c'est une jeune vagabonde aux yeux rouges et sa famille l'exècre au point de la porter au rang de superstition, puisque elle a les yeux noirs. Elle a les yeux rouges et lui a les yeux noirs. Et ils font partie de deux communautés différentes, donc les rouges et les noirs, qui s'opposent. Et ça nous rappelle quand même un des grands mythes, une des grandes histoires de la littérature, qui est celle de Roméo et Juliette, finalement. L'affrontement entre les deux familles, c'est le symbole de l'amour impossible. Voilà. D'accord. Et nous allons avoir bientôt aussi donc, la suite qui a été écrite, c'est la guerre des Sambres, mais en fait ce n'est pas la suite, c'est ce qui s'est passé avant l'histoire de Bernard Sambre et Julie. D'accord, eh bien merci beaucoup Valérie. Donc voilà une mise en avant un petit peu de BD pour adultes, de manga pour adultes. Je sais que nous savons que vous êtes très nombreux à aimer bien sûr les romans, les livres, mais on souhaitait quand même parler aujourd'hui de BD et de manga parce qu'il y a énormément de lecteurs qui sont attirés et qui empruntent ce type de livre. Alors nous arrivons bientôt à la fin de ce Facebook Live. Je me tourne vers ma collègue Florence, vous ne voyez pas à l'écran, mais qui est, elle, est chargée de répondre aux messages et de nous faire suivre un petit peu les questions. Alors, Florence, est-ce qu'il y a quelques questions à qui on pourrait répondre? Est-ce que tu as déjà répondu aux questions? Donc, c'est... Je vais montrer les livres. D'accord, bon, donc tu as déjà répondu, c'est très bien. Eh bien écoutez, voilà, on arrive à la fin de cette petite présentation de ce Facebook Live en direct. C'est la première pour nous, c'est la première, je vous le disais, d'une série de 5 rendez-vous. Et je vous donne rendez-vous vendredi prochain avec Anne-Claire et Jérôme Jouvray pour leur présentation de l'album BD Six coups. Et c'est assez extraordinaire parce qu'on va installer un dispositif particulier. Ils vont bien évidemment être face à la caméra et on espère pouvoir rajouter une deuxième caméra pour voir en temps réel le dessin de Jérôme qui est l'illustrateur et Anne-Claire, elle, est l'auteur et scénariste. Eh bien, merci à tout le monde. Merci. Merci Valérie. On vous souhaite un bon week-end. On vous donne rendez-vous vendredi prochain et les vendredis suivants pour les Facebook Live de la Bibliothèque municipale d'Irigny. Bon week-end à tous. Bon week-end, bonne soirée.